Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Remnant. Alors, on va se retrouver avec un petit lag direct dès le début, c'est pas facile. On va se retrouver donc en hardcore et on est reparti tout simplement pour une autre run. On va voir. On va rester encore un petit peu sur Terre, je pense qu'on est, bien, hein. On est bien sur Terre. Voilà, j'éviterai qu'un seul boss. Et encore, hein. Je commence à me demander si on commence à pas être capable de le battre. Ce sera le gros challenge, ce sera le gros challenge, oui, ouais, sans déconner, ouais. C'est l'hydre, bien sûr. Vous savez de qui je parle, le moment voulu. On en reparlera, mais c'est vraiment le boss qui est le plus dangereux sur Terre. Allez, on y retourne donc avec notre petit build tout sympathique. Ici, on va reset parce que la run était terminée. Et on envoie. Donc ben, pour le moment ça se passe très 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 bien. La dernière vidéo on a été vraiment au dessus, on l'a vraiment senti. Et en même temps ça va me servir à voir l'équilibrage un petit peu du jeu quand on joue en niveau d'équipement et d'armes 1 au minimum. Et pour le moment ça se passe bien. Après en augmentant la difficulté, ça on ne sait pas. Et pourquoi j'ai perdu le signal là carrément. Pas facile, hein. Alors attendez, je teste la fluidité, hein, 2 secondes. Il y a des jours, hein. Enfin, après on comprend. Hein, 70 degrés au moment où j'enregistre. Non, je plaisante. Vous avez compris que c'est pas autant, mais côté marseillais ça, mais non, non, il fait très très chaud. Là, c'est franchement aujourd'hui, ça déconne zéro. Ça doit y faire, hein. Alors, voilà, hein, bon toutou à parler, à plutôt à grogner, hein, parce que il n'en est pas encore arrivé au stade de faire un dialogue avec nous. Alors, c'est pas cul-de-sac là-bas. À l'entrée, donc on pourra revenir sur nos pas. Hop là, une branche. Après, vu qu'on a le masque maintenant, on s'en rappelle. Ah, ça va, elle a des balles, hein. La vache. La vache. Incroyable. Ah non, c'est pas le bon Némésis, c'est mal tombé toi mon grand. Ah non, elle dégaine trop vite. Ça c'est pour les armes lentes. Où est allé toutou? Tu vas trop vite. Mais pas si vite. Alors, où c'est méchant? Là c'est bloqué. Ah. Il y a du monde, il y a du monde, vous avez vu. Oh bonjour. Eh ouais. Vas-y, je te regarde. J'ai mis le chronomètre en même temps, j'ai oublié. Ça prend 2 secondes. Hein. Petit esquive droite-gauche. Bien sûr. Mais bon, je vais lancer. Ne paniquez plus, ça joue. Ah. Il nous manque toutou. Bon, pas besoin non plus de se soigner. Je suis en. Ouais, c'est ce qu'il fait ici. Attendez, non, non, pour continuer à se tourner, on va faire la stat de cette façon. 33 minutes au plus le dernier simulacre. Voilà. Le problème, c'est que je peux pas les utiliser. Ouais, c'est triste.
On ne peut pas les utiliser pour plusieurs raisons. La vache! Attends, attends, attends! Ah, ah non, non! Ils sont éclatés! On confirme! On confirme! Ça va, on est toujours bien au niveau de la vie. On pourrait utiliser un petit cœur draconique, mais. Péta! Là, on l'utilise. Parce qu'il faut quand même pas faire le fou. Ce serait dommage de mourir bêtement comme ça. Ce serait calamiteux, une honte. C'est fini. Terminé. On ne coupe pas. Putain, c'est le casse-pied sur Terre, ça. C'est, ouais, c'est la fouille, l'exploration est difficile. Bah vas-y, vas-y, attaque. Ne rate pas. Ah bah tiens. C'est pas bête, ça. Il a mis un beau 210 quand même dans les gencives. Hein. C'est gavé. Hein. Pourquoi la barrière était là, hein? Ça c'est pour me ralentir encore. Non, il n'y a que dalle. Hein. Qu'est-ce que t'as boire? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben dis donc. Bon ben on se fait des balles. Hein. Écoute. Mais on l'a pas déjà fait ici de mémoire? Mais on y vient, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire fou? Si! Allez, on peut on redescend. Oh là là, quel enfer. Attendez. Hop. Oh, ça avec classe et de style. La putréfaction, mais 15 ans. Mais vraiment, elle retombe à zéro. C'est abusé. On a le truc pour diminuer ça, d'ailleurs. Machin vaccin dans les traits. Un bon toutou, c'est un excellent mode, il se charge tout seul et tout, il est extraordinaire ce mode. Mais ils devraient tous comme ça, hein. Ils devraient se charger tout seul et tout, ce serait... Ah, ce serait triché, oui, oui, je sais. Alors là-bas, nous avons le premier donjon du jour. Bon, bah vas-y mon grand. Il me tape d'où l'autre, zouave encore. Moi, je veux aller dans mon donjon, fiche-moi la paix. Allez, que c'est loin. Mais qu'est-ce que cette map qui fait 300 km aussi? On s'en sort plus. Donc pour les vidéos build, ne vous inquiétez pas, ça, j'essaie de faire mes tournages comme je peux. J'ai pas vraiment eu le temps de vraiment bien la travailler. Donc elle va arriver. Ce sera une vidéo, voilà, je vais faire le maximum pour qu'elle soit bien. Voilà. On monte bien le build toujours de l'invocateur. Je fais des grosses runs, bien travaillées, bien posées. C'est pas terrible de pouvoir faire que des petites runs de 1 heure et 2 heures d'affilée comme ça. Que j'ai... Oh là là. Et que j'ai pas le temps de tout faire. Je dis oh là là parce que c'est le triant. On l'a déjà fait. Voilà. Voilà. On l'a déjà fait. C'est bien triste ça. Il n'y a pas le chien. Non. Alors, cinématique. On y va. Ça fait 3 fois qu'on tombe. À chaque vidéo, on est sur le triangle. Alors la dernière fois on lui avait éclaté les pieds. Par contre non. Non non non, c'est une bêtise, on est tombé 2 fois. Pas 3. Et là on va essayer de lui faire le reste. Hein. Est-ce que tu es prêt mon grand? Parce que ça joue. Bon ben.
Calme-toi, ma jolie. On va gérer. Oui. Ah, deux. Attention. Là. On va l'esquiver doucement. Voilà. On va prendre des balles. Sac est plein. Elle me tombe pas dessus. Et voilà. On a eu les deux objets, les deux versions. Première version, les pieds. La deuxième version, vous videz le corps et c'est bon. Et c'est tout. On est bien. Alors, il a donné une petite caisse aussi. Ça, c'est sympa. Alors, j'ai encore tenté une petite survie la dernière fois. Je mets en place la vidéo et tout. Et ça ne produit pas parce que je trouve l'équilibrage mauvais, en fait, hein, je peux le dire. Voilà, je trouve que c'est pas... Ça rentrera pas. C'est pas amusant, même pour le moment, à voir. Franchement, à moi, peut-être que je fais mal les builds, ou je sais pas. Enfin, quand je dis fais mal le build, je veux dire, j'ai pas encore la bonne tactique pour le mode survie. Mais bon, ça veut pas, quoi. J'ai pas une belle run. Et quand je dis pas jolie belle, c'est vraiment, on fait pas un boss, quoi. Et moi, j'aimerais, voilà, je passe un boss, j'en fais une autre. Voilà, il y a moyen quand même, non? Alors, on va se soigner. C'est un peu le but de la survie, c'est que ça survive, non? Voilà. Donc, écoutez, on continue tranquillement avec elle. Là, ouais, c'était le premier boss sympa. Écoutez, on a eu un truc qu'on n'avait pas, donc ça, c'est sympathique. Même si c'est pas très, très utile, hein, le niveau collectionnite, c'est pas du tout ce que je recherche. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est à faire des traits. Et voilà, hein, de tester tranquillement. De voir ce que ça donne. Petit à petit, bah, d'améliorer tout ça. Et de voir, hein, jusqu'à où on peut y arriver. Là, on est bien sûr encore en niveau difficulté normale. Voilà, on va faire encore pas mal de runs, hein, avant que je commence à tenter... d'augmenter, parce que je le rappelle, hein, mais la moindre mort, elle est définitive. Le personnage disparaît à tout jamais. Il meurt, quoi, tout simplement, pour en dire le vrai mot. Il meurt. Ah, c'est pas... Il n'a pas de résurrection, il n'y a plus rien. Donc voilà, j'espère ne pas en arriver à ça, hein, à cet objectif.
tout simplement. Après, on voit que pour le moment, on encaisse, mais très très bien. Que je pense, on pourra quand même, à mon avis, sans être en danger, aller en difficile. Ça, ça va être l'objectif du long terme hein, avec elle. C'est d'aller faire nos runs en difficile. Mais pour ça, il va nous falloir pas mal de traits et tout. Et on verra l'équilibrage, on verra l'équilibrage. Au-dessus, je ne pense pas que j'irai le tenter, mais aller me faire un... Comment on pourrait dire un... Ouais, un hardcore. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça, un cauchemar ou un apocalypse. Non, non, c'est ça, c'était hardcore. En difficile et après hardcore. Non, le hardcore, c'est le mode, pardon. En cauchemar, c'est ça. Cauchemar et apocalypse. C'est deux dernières difficultés. Ah, on a vu les cheveux frisés de mon personnage. Je ne monte pas souvent d'ailleurs. Attendez si vous voulez. Hop. Voilà. Tout à fait sympathique. Voilà. Pour le moment, on garde cette tenue et tout. On verra après. Hein. Il y aura de la variation. Attention. Hein. Mais ce sera pas un jeu de build. C'est vraiment pour m'amuser quoi. On va l'invoquer le cochon, ne t'inquiète pas, tout arrive. Allez, on va prendre le petit chemin. Avec un trait. Ça fait plaisir. Ah bah dis donc. Ça se brise ça, vous croyez? Non. Alors, il n'y avait que dalle de l'autre côté? Non. Alors, sinon, je crois qu'on avait pris le bon chemin, vous voyez là? Là, on a été bon. En fait, tous les chemins sont bons dans le jeu. Hein. Explorer reste la meilleure méthode pour tout obtenir. Bien joué, mon grand. Là, il n'y a rien. Là, il y a deux chemins. On va rentrer dans la maison. C'est bon, on est tombé sur les ennemis qui correspondent mieux à notre jeu. Hein. Oh! Ça fait bien mal lui, non? C'était chaud! Ça s'est bien passé. Hop. Le masque de vagabond. Ouais. Après, n'hésitez pas hein, de poser des questions, quoi que ce soit, dans les coms, dans la phase commentaire. Si vous en avez, bien entendu. Qu'il y a pas mal aussi de personnes qui suivent juste pour regarder. Tant que vous en profitez et que ça vous plaît, moi ça me fait totalement plaisir. Ah, on a les pieds dans l'eau. Alors on va essayer de faire le tour dans le petit caillou. Un rocher, mais on prend, hop là. Ah. Il était pas décédé, il était pas tué. Oh, c'est fini. C'est une invasion. Pétard. Hop.
On en utilise quand même des cœurs, hein, l'air de rien, depuis tout à l'heure. Après, pas surprenant, là, la run est dure. Hein. La run est vraiment, vraiment difficile. Hein. Elle a un niveau bien costaud. Hein. Il y a beaucoup d'ennemis. Ça, vous avez vu, hein, ça spoon. Ça, on a dans tous les sens. Hein. Alors, on n'a rien oublié. Non, on a bien visité la zone. De toute façon, on avait chopé l'équipement. Voilà, le masque du vagabond. Voilà, hein, qui est un build. Ouais, il est sympathique, le build du masque du vagabond. Allez, bien. On va au level suivant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part que ça se passe très bien? Ben qu'on se fait plaisir, le voilà, ça fait vraiment plaisir. Hein. Il y a quand même un côté à faire attention. Mais c'est vrai que je trouve quand même que c'est simplifié le fait de rester niveau 1. On le sent vraiment beaucoup. Je prends des coups qui devraient normalement m'avoir tué. Hein. J'en ai pris beaucoup, beaucoup. Hein. Et pourtant, non, on va bien, hein. Regardez. Hein. On arrive à être au-dessus de la moitié de la vie, vous voyez, donc c'est confortable, quoi. On a le droit à plusieurs erreurs à Lisa et Lisa. Ah, c'est pas ouf, hein. On est en train de se refaire une run qu'on a déjà eue, avec bien entendu les points de trait qui vont... Ah, par contre, ça va XP, par contre. C'est vrai que ça, on y va. C'est vrai que ça va faire du bien. Alors, c'est parti. On va rester là. J'ai entendu un pistolet qui charge. Elle contient des munitions, la mitraillette. Hein. Beaucoup. Hein. Je vois pas. Oh! Ça a spoon dans mon dos? Ouais. Hein? Vas-y, mon grand. J'arrive. Ouais, c'est bien, tu l'as fait sortir de la cachette. Mon bon chien. Très bien. Ouais. Un deuxième, bien sûr. Ah. Attention. Bon, ça a fait des double kills. Ouais. Hein, bien joué. Parfait. Et voilà. Excusez-moi, deux doigts de l'éternuement là, c'était. Je me suis reculé au maximum pour pas vous voyez, vous assourdir. Ah bah, on a tenu choc. Super travail d'équipe, quoi. Et merci. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tiré d'affaire. Vous êtes quelqu'un de bien. Je suis sûr qu'on se reverra. Ça va aller. Je suis... Plutôt, nous vous sommes reconnaissantes pour votre aide. On a déjà connu des galères, mais jamais comme ça.
Vous êtes quelqu'un de bien. Il en reste plus beaucoup par les temps qui courent. Mon toutou, qu'est-ce que tu fais ? T'es un peu coincé, hein ? Ça va se téléporter. Alors, on va aller chercher la récompense qu'on a déjà eue. Oui. Hop. Ah, ça fait plaisir. Deuxième fois qu'on le fait, écoutez, ça devient une forme de formalité. Quoi ? Ah, ça, c'est pas bon, ça, par contre. Hein. Non ? Elles sont à passer à plus 1. Ça voudrait dire que... Ah, c'est pas bon, ça. C'est très très mauvais, ce qui vient de se passer, hein. Vous avez compris ? On a amélioré l'arme de... juste parce que je l'ai ramassée, en fait. Ça l'a améliorée. Je savais pas. Ah zut! Regardez, ça a mis direct défense plus rouge. Oh mince! Et mince! Ah ouais, là, je suis dégoûté, en vrai. Mais qu'est-ce que je fous ? Bon, attendez. Allez, hop. Ouais, je vous le fais en direct, je vais regarder. Je vais regarder, normalement, les stats du personnel. Score d'équipement, 1. C'est pas bon. C'était 0 normalement. Eh ouais, elle a augmenté. Purée. Eh ouais. Il fallait pas reprendre l'arme. Faut pas reprendre des armes. Bon, ben voilà, on va s'en servir pour apprendre. Il faut pas prendre des armes. Voilà. Ne le prenez pas. Ne les reprenez pas deux fois. Eh mince. On va se retrouver embêté là. Bon, on retourne. C'est pas possible. Ça se passait trop bien. Qu'est-ce que ça vient m'embêter? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait que quand tu reprends l'arme, ils te l'améliorent? J'en ai rien à carrer. Demande-moi-le, non? Eh ouais. Voilà. À partir de maintenant, on va souffrir. Beaucoup plus. Vous allez voir. Hein, voilà. Il faudrait monter mon armure de plus 1. Mais le problème, c'est que c'est pas le bon plan. Hein, parce que vous allez voir, l'équilibrage, déjà, il est heurté. Je vais commencer à galérer à tuer des ennemis. Ils vont me faire plus de dégâts. Pour rien. Bon, ben, on se rappelle qu'il faut pas toucher. Allez, quitte le donjon. Arrête de me casser les pieds aussi, toi. Eh ouais, c'est une catastrophe en vrai. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Je suis dégoûté. Hein. Je voulais vraiment essayer en niveau 0 en fait. C'était le but du jeu. Ben voilà, c'est foutu. Bon, on va voir, hein. On va voir comment ça réagit. Hein. Mais bon, voilà.
On était à bon, en niveau égal. Tout allait bien. L'équilibrage était plutôt facile. Là, il va augmenter et on va souffrir. Pour rien. On va tester, on va tester. Je ramasserai plus des armes que j'ai déjà. Et... Allez, hop. C'est vraiment nul. On va voir. On m'en a pas vu. Allez, vas-y, charge. Pourquoi tu t'es arrêté sur place? Tu voulais pas jouer? Qu'est-ce que c'est? Encore? Ah, mais on a la même run. C'est Vous voyez comment on galère plus? Vous le sentez ou pas? On a monté un niveau, hein. On devrait être censé être meilleur. Le jeu est devenu nul. Voilà. Voilà, ça y est. Voilà. L'ordi est deux fois plus fort. On est C'est une catastrophe. Où tu vas? Encore un? Niveau résistance, on est pas mal. Ok. Niveau résistance, on est toujours bien. Alors, on va vérifier. Hein. Pour le moment, je sens que j'ai une perte de dégâts. En vrai, vous voyez, ce qui est pas logique. Hein. Mais vous allez me dire, c'est peut-être pas bien grave parce que j'avais déjà cette arme qui est niveau 1. Ah ouais, il y a des armes aussi qui sont déjà niveau max et tout. Comme on est un simulacre. Hop, on va cliquer sur le petit drapeau. Voilà. Et on a mis une heure pour l'avoir trouvé une. Alors, on en a dans les menus et tout. Donc, autant dire qu'on est bien. Il y a un carton qui vole. Un niveau vie, regardez, on a pris quand même cher pour pas de balles qu'on a reçues, non? Je trouve. Ah bon, pour le moment, je vois pas non plus une différence de fou. Pas de panique pour le moment, on va voir. Hein. On va continuer de ce côté, mais c'est quoi? Ah ouais, c'est la map qui fait ça. Alors attendez, c'est sous les bâtiments. Ah attends, j'arrivais pas à le viser. Hein. Pas pourquoi. On verra. Hein, de toute façon, bon, on apprend. Hein, on apprend. Aïe. Ah ouais, 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 ça fait mal, hein. Prophète l'équilibrage. Moi, je préfère quand même que ce soit plus facile après avoir monté que l'inverse. Pareil pour la survie. En fait, c'est le même problème que pour la survie. Sur ça. Ça donne ça. C'est qu'au début, on est en niveau 1, on est fort, on est bien. Il passe en niveau 2, on monte en niveau 2, ça devient plus difficile. Et voilà, plus ça continue comme ça, 3, vous voyez ce que je veux dire? Parce que alors, généralement, en survie, on doit être au même niveau que l'ordi. Et le problème, il est qu'en fait, même si on est de même niveau, je trouve qu'on est en... Plus les niveaux montent et plus on a un petit fossé qui se crée. Voilà, c'est pour ça que peut-être rebaisser l'IA au même niveau que nous, ce serait juste mieux, non? Allez, on y va. Ça s'est bien passé. Hein. Bon, c'était l'exploration. Maintenant, on va voir un peu plus les choses sérieuses. On va avoir certainement un boss après. Donc, on va encore mieux voir. Mais je voulais pas toucher ces niveaux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça va. Si je tape bien, j'arrive à le kill. Hein.
Les chargements aussi, faites quelque chose. Alors. Il est à terre. Vas-y mon grand, moi je vais aller dans le bâtiment d'en face. Attends. Ouais. Hop là. Toutou est toujours là ou pas? Je sais pas du tout, je vois pas. Ah si, il fait des dégâts. Même Toutou, hein, je pense. Ah, ils ont quand même augmenté, je pense, hein. L'air de rien, j'ai une sensation qu'un petit peu, hein. Ah, je suis naze, quoi, de me l'avoir fait ça. Attends. Ah ben alors, Toutou, t'es où? Tu sors quand on est fini. T'es comme ça, toi. Tu t'es planqué, t'as attendu que tout soit tranquille. Dès que t'es en sécurité, t'es sorti. Ah, bravo. Là, il y va. Là, on est content. Ça, c'est le bon Toutou, ça. Oh, oh. Bon, ça va. On a remarqué avant le désastre, je crois. Un niveau, ça va. Pas très grave. Ah ben, c'est plus que calmé là, c'est, on l'a éclaté même, hein. Ah, on a un objet violet, un petit objet épique. Ah, attends. Et c'est quoi comme objet? Attaqueur. Plutôt bon l'objet, hein. Pétard. Non, ça va. Vos dégâts, c'est pareil. Ça va, vous êtes pas trop nombreux? Ah, c'est des brutes, hein, je te jure. Bon. On est à court d'énergie. On prend pas mal de points, hein, de traits. Hein. Déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. On va arriver sur la deuxième zone. Oh, ça s'est bien passé. Regardez la barre de vie. Tranquille. On s'est chopé encore un simulacre. Ça sert à rien. Je peux pas les mettre dans notre compte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plus de loot, de ratio. Hein. Il est beaucoup plus haut, hein, en survie. Hein. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Voyez, on a eu 3 simulacres en 2h30 de jeu. Voilà. Là, le ratio est beaucoup plus haut. Ouais. C'est à peu près toutes les 30 minutes, quoi. Toutes les runs, ouais, c'est quasiment toutes les runs. Et c'est même, je pense, possible d'en avoir 2 dans une run. Vu le taux comme il est plus élevé. Hein? Mais c'est la même run qu'hier, je suis désolé. Désolé, sorry. C'est la même. On a fait la même. On a découvert que quand on reprend deux fois la même arme ou le même équipement, patatras, ben, il s'améliore. Ah ben, c'est ballot. Pas tombé. Ah,
Après, peut-être que le fait qu'on ait en plus de 20 partout. Bon, on peut. On verra. Oh là là, quel merdier. Oui, attendez, il est là. Où il est? Ah, il est là-bas. Ouais, bien joué. Voilà, ça s'est bien passé. Après, on est en niveau normal, hein. C'est sûr que... Que ça se passe plutôt bien. Hop, petite caisse. Avec les petits cadeaux. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Je crois que oui. Voilà. On est content, deux petites caisses, ça fait plaisir. Et on peut aller dans la suite. Dans la suite du donjon, qui est normalement c'est sortie extérieure. Donc, on va dans la nouvelle zone, la zone cachée. Et normalement, il y a l'arbre. C'est, comme on a le masque, ça va l'activer, on aura les points de compétence. Voilà, ça c'est le fait que, vous voyez, on recommence. J'ai refait plusieurs fois les persos, mais ça se voit. C'est pour ça qu'il y a vraiment un mode saison dans ce jeu, ce serait formidable. Voilà. Avec un classement genre des nombres de morts et tout, hein. On pourrait, ça pourrait être vraiment fun. Le voilà, le petit arbre. Et après, une zone à gauche. On va se recharger. Et on va aller récupérer... Pardon. Non, oui. On passe, hein. Excusez-moi. Hop. Donne-moi. Voilà. Merci beaucoup. Hop. On remet, bien entendu, une vraie armure. Parce que là, c'est le nerf total. Voilà. On passe, regardez, pour vous montrer quand même. On passe de combien? De 7 en armure. Ah non, elle est pas nulle, en fait. Elle fait 8. C'est elle, elle est plus forte, mais bon, elle a un poids de fou. Non, le ouais. D'ailleurs, on a quoi d'autre? Je crois que c'est tout, non? On a l'armure d'aventurier, mais bon, ça... C'est pas fou. Ça, c'est le truc de glissade et tout. C'est un peu spécial comme build, hein. Bon, peau d'écorce, cherchez pas. Excellent. Ah non, il n'y a pas de zone? On a fini la run. Il n'y a pas eu de zone d'extra, d'autres donjons. On a fait le tour, ça y est, on l'a fini. Allez. Pas besoin de prendre de raccourcis, rien, c'est pas important. Et on rentre au service 13. On était allé de façon fulgurante en niveau vitesse, hein. Bon, mais c'est pas très très grave finalement, on a augmenté les niveaux, mais bon, c'est pas grave, ça s'est bien passé, vous voyez, on a bien encaissé, on a fait les dégâts, tout va bien, en niveau normal, ça se passe très bien. Voilà. Le problème, dès qu'on va augmenter le niveau de difficulté, à mon avis, mais pour le moment, j'ai pas besoin
faut augmenter les traits pour faire ça, il faut pas prendre de risques. Voilà. Ouais. Ne risquons pas. Vous avez pas intérêt à me faire perdre rien, mon en plus. C'est sûr qu'après en difficile, on a l'avantage de loot pour les deux comptes. Et ça, c'est bien. Pas d'humeur à bavarder. Alors, j'ai besoin de. Ouais. Ça, c'est chaud. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Mais à vrai dire, j'ai lui aussi encore plus un nom. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ouais, ouais, on a bien lui. Elles sont passées plus un. Donc dans la logique des choses, peut-être qu'il se serait moins dangereux, en vrai, c'est d'améliorer également nos équipements. On va tester. Ah oui, puisque ça se... qu'est-ce qu'il y a ? Ah, oui. On vérifie. Voilà. Par exemple, ah, lui aussi, t'as un plus un la tunique de base, en vrai, non ? Bonne route. Non, je dis n'importe quoi, ça sera plus de 9 ans. Alors, maintenant qu'on est tout à plus 1, on va mettre les traits. Ah ouais, j'équilibre, hein. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà. On est passé un peu plus d'armure, hein. 60 au lieu de 40, c'est quand même pas nul. Et voilà, et on va regarder les stats dans le menu principal. Alors, on n'a rien eu de fantastique, hein. On a eu... Si, on a eu ça. Accorde 100% de chances critiques quand les ennemis sont passifs. Bon, ouais, c'est bien, hein. C'est pas mauvais, mais bon. Voilà. Pourquoi j'ai cliqué là ? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Voilà. Allez, on va aller au retour au menu principal. On va voir ce qui va nous marquer comme statistique, parce que c'est ça qui fait au fil des vérités. Ah ouais, score d'équipement 2. D'accord, d'accord. Ouais. Ça marque... ça fait une genre de globalité. Ça veut dire que là, l'ennemi est plus fort maintenant. Bah, on verra dans la prochaine vidéo, hein, sur le coup. Ça voudrait dire qu'en fait, juste laisser monter l'arme de façon naturelle, ça ne comptabilise pas. A voir si on fait Lise et Lise. Cette fois, je garde la tenue. On fera le test. Et on verra ça. Faudrait que j'arrive à me rappeler de ça aussi. Donc voilà, donc c'est des petites découvertes. On fait des tests, hein, en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Que vous avez apprécié le contenu. Le build invocateur va continuer. Hein. Je vais essayer pendant ce week-end à le faire. Je vous fais des bisous. À très très vite pour des prochaines vidéos. Bon jeu, bon farm. Et à très très vite.